Alors, on a décidé de travailler en biodynamie. Je pense que c'est plus par souci du vivant et de la vie intrinsèque, que ce soit du sol, de la plante, du vin après, derrière, qui s'épanouit pendant l'élevage et pendant dans la bouteille aussi. Et vraiment l'idée que on est quelque part les locataires de nos terres qui appartiennent à nos enfants. Voilà. L'idée, c'était de garder ce capital-là. On a eu les générations passées qui ont fait peut-être pas tout ce qu'il fallait à ce niveau-là, qui ont appauvri les terres. L'idée, c'est vraiment au contraire de revenir à la base, de les enrichir et de les léguer aux générations futures. Qu'on garde la vie qu'on a pu respecter il y a bien des années, et vraiment remettre tout l'écosystème en place, que la faune, la flore se développe et que la vigne trouve sa place là-dedans.